Et Madame Delamène Valérie, cadre de santé, arrivée dans le service de USLT, au niveau des bateliers, depuis le 3 novembre 2019. C'était un projet de mettre des bandeaux au niveau des portes pour permettre aux patients soit de s'isoler en chambre sans être dérangés par d'autres patients qui déambulent. Ce qui fait qu'il permet d'avoir une intimité dans la chambre et que chacun peut se déplacer sans être interpellé par d'autres patients. Donc aujourd'hui, les bandeaux ont évolué grâce à l'association en fait. On est passé sur un bandeau qu'on peut nettoyer très facilement. Il est plus large et avec des crochets où chacun peut enlever et remettre. Ensuite, nous avons aussi revu d'autres barrières, où là, c'est des barrières un peu plus fermées, en fait, pour pas que le résident sorte ou le patient sorte de sa chambre. Mais il peut déambuler dans sa chambre, en fait. C'est l'avantage de ces portes et bandeaux, de continuer à participer à tout ce qui est les animations et de sortir quand il a envie de sortir. Ce qui est aussi avantageux pour ces bandeaux, c'est au niveau aussi sécuritaire pour les équipes, en fait. Quand elles sont occupées dans des secteurs ou dans chambres, elles savent que y a une protection pour les autres patients et qu'elles ne sont pas non plus dérangées. Donc au niveau des équipes, c'est quand même aussi efficace, quoi.